Alors, on se retrouve ici pour un semis de petits pois nains très précoces. La variété s'appelle Douce Provence. Et je vais donc essayer de préparer deux ou trois structures, qui seront capables d'accueillir ces petits pois, puisque même s'ils sont nains, a priori, selon ce que j'ai pu comprendre, il faut quand même leur prévoir une petite structure pour qu'ils puissent monter, quoi. Voilà, donc je vais essayer de préparer ça avec des branches. Voilà. Des branches de noisetiers que j'ai eu l'opportunité de récolter. Et puis on va partir sur une structure à 4 pieds. On verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Alors, mes talons de sculpteur sont encore à développer, hein, je le crains. Voilà en tout cas une rame, je crois qu'on appelle ça une rame, donc posée, je pense que ça devrait suffire. J'ai préparé 4 trous dans le foin de manière à accueillir les semis de petits pois. La terre est très très meuble en dessous, c'est resté vraiment le foin a fait un bon travail à ce niveau là. C'est vraiment une terre intéressante, facile à travailler, mais froide, hein. Honnêtement, on sent bien que le sol est très froid. J'ai donc semé en poquet, hein. Je vais mettre 3-4 petits pois par spot, hein, comme ça, donc 4 zones autour de cette structure, et je vais recouvrir chaque semis d'un dispositif comme ça, hein, une simple bouteille d'eau dont j'ai ôté la base, et un tuteur pour maintenir la bouteille d'eau bien évidemment au-dessus des semis, et essayer d'avoir une mini serre en quelque sorte, pour aider un petit peu ces petits pois à démarrer, et puis je pourrais les enlever plus tard. Le tuteur évidemment servant à ce que la bouteille d'eau ne s'envole pas, tout simplement. Voilà, donc le totem est prêt, les trous sont bien ouverts, on va pouvoir commencer à semer. Alors, je pense qu'il faut pas enfoncer ça trop profondément. Oh, il y en a quand même pas mal. Voilà. Alors voilà, on peut disposer quelques pois en poquet. Recouvrir. Ensuite, venir y placer par-dessus donc une bouteille d'eau, pas celle-là, que je coupe un peu. Voilà. Bien enfoncé, voilà, qui devrait normalement faire usage un peu de serre individuelle. Voilà, donc les semis sont prêts, en tout cas pour cette première structure. Je vais en construire 2 ou 3 autres. Il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. On verra bien. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.